En 1955, il participe à la fondation du théâtre de Bourgogne avec Jacques Fornier. Il restera 9 ans dans la troupe, puis il joue sous la direction de Roger Planchon, Georges Lavelli, Patrice Chéreau, Luca Ronconi, Claude Régis. En 1982, il entre à la Comédie Française et devient sociétaire de 1983 à 2001. Il y joue un grand répertoire de pièces diverses. Mère Courage et ses enfants de Bertolt Brecht, Dom Juan de Molière, Le Balcon de Jean Genet, Les Estivants de Maxime Gorki, ou encore Elle est là de Nathalie Sarraute. Depuis 2002, il est sociétaire honoraire. Dernièrement, il a joué avec Dominique Pitoiset dans La Tempête de Shakespeare, avec Yves Bonnen dans Oncle Vania d'Anton Tchekhov et dans La Princesse Malène de Maurice Maeterlinck, au cinéma et la télévision. Il joue sous la direction de Jean-Jacques Benex dans Diva, de Patrice Chéreau dans L'Homme blessé, de Jean-Paul Rappeneau dans Cyrano de Bergerac. Au cours de sa carrière, il a reçu plusieurs distinctions honorifiques. Chevalier de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite, et commandeur dans l'Ordre des arts et lettres. En 2007, Roland Bertin joue dans L'Ignorant et le Fou de Thomas Bernard au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet. Le 16 janvier 2008, il a été hospitalisé à l'hôpital Pontchaillou de Rennes à la suite d'un malaise après 45 minutes de représentation de la tragédie de Shakespeare, Coriolan.